Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un vlog. Donc j'ai décidé j'ai décidé aujourd'hui de faire un vlog parce que je suis à Paris pour 3 jours avec Lola, donc elle n'est pas encore arrivée. Moi je suis arrivée à Paris ce matin, elle arrive vers 17h je crois. Du coup on a un trop bon programme ces 2 jours, donc je vais vous emmener avec nous. Donc là on est à l'hôtel du collectionneur. Du coup je vais vous montrer la chambre, elle est trop belle. Donc on est là avec Shein. Là c'est comme ça quand on rentre, donc là il y a un grand miroir, j'ai déjà déposé mes valises, là il y a la salle de bain, j'ai failli glisser, du coup voilà il y a une baignoire, les toilettes super, là c'est comme ça, et là il y a 2 grands lits donc ils sont super hauts, j'ai trop peur, faut pas tomber, genre si je tombe je m'éclate la tête, je crois que je m'enlève plus. Du coup là il y avait une petite enveloppe avec des petits cadeaux. Et voilà. Là je me suis habillée vite fait, enfin j'ai mis un jean. Bon finalement je vais pas au showroom parce que je vais pas avoir le temps. Du coup j'ai donné les détails à mon agent. Elle va nous trouver des trucs avec Lola parce que Lola n'aura pas le temps non plus. Et moi j'ai peur de pas avoir le temps de me lisser les cheveux. Du coup voilà, j'ai déjà une veste. La veste Shein a une fourrure trop belle. Du coup faut qu'elle me trouve un truc qui va avec. Bon en fait c'est bon, on nous a ramené d'autres habits, d'autres trucs qu'on avait choisi. Et ils ont ramené le truc de Lola parce qu'il y était pas tout à l'heure. Du coup voilà, je vais mettre mon téléphone à charger là. Et voilà. Donc ça commence à 18h, mais moi je pense que je vais y aller avant parce que je vais rejoindre Cameron. Je viens de manger des gâteaux. Je sais pas si vous connaissez, c'est trop bon. Ça fait plein de fois que je vais en acheter là. Je vais aller prendre ma douche. Du coup j'ai pris ma douche, je vais me lisser les cheveux avec ce lisseur. D'ailleurs je vous le conseille, j'étais allée à un événement Babyliss, si on me l'avait donné. Du coup voilà, il ressemble à ça et franchement il lisse bien parce que mon steam pot je peux pas l'emmener partout. Se réveiller, j'ai toussé. Ah, je dis pour rien, encore des valchines. J'ai toussé toute la nuit. Mais vraiment, c'était horrible. Déjà, j'ai mis 40 ans à m'endormir. Lola, au bout de 2 minutes, elle respirait super fort. J'ai essayé, elle a eu le puissance. Et elle s'est endormie direct. Moi, j'ai fait que tousser, c'était horrible. Lola, je l'ai réveillée, la pauvre. Elle m'a dit, ça va? Tu meurs pas? Moi, je me suis dit, putain, mais la pauvre, parce que moi, je me rendormais, je m'en fous. Mais je sais pas si je vais arriver à vous filmer parce qu'en fait, je n'y pense pas. Du coup, là, il est 9h30. On va aller déjeuner. Voilà. Ça y est, on a notre déjeuner, c'est trop beau. Bon appétit. Regarde la carte. La carte. Je vais faire un tuto. Bon. On a fini le déjeuner, j'avais laissé la. On parle, j'avais laissé la carte. Heureusement, je me suis rendu compte. Enfin bref, on aurait pas pu aller très loin parce qu'il faut la carte pour remonter. Là, on va aller se maquiller, après, on va sortir, on va faire des photos et tout. Et vous prenez là. Pharmacie, vraiment, parce que Disney avait vomi toute la nuit. Non, j'ai vomi. Du coup, on est prête, on va sortir. Du coup, il est 11h, on a rendez-vous à 12h30, là on va faire des photos. Du coup, là on a fait des photos avec Lola, mais c'est pas très très beau. Et je peux parler, elle part. Du coup, là on va aller plus dans la. Enfin, genre devant des murs et tout, enfin. Pas dans l'herbe. Là on est dans un parc. J'aime pas. Enfin, c'est beau, mais j'aime pas. Là on va au showroom de Shein, on va manger là-bas. On est en retard parce qu'en fait on va aller faire des photos. Après j'ai mis mon téléphone à charger. On a voulu aller voir ce qu'il y avait à l'étage numéro 7. Mais on est hyper en retard. On va avoir 30 minutes de retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On note les trucs qu'on veut et nous les enverrons chez nous. C'est trop beau, il y a plein de trucs. Ok, donc là je suis sortie pour aller voir Alexia. Au moment où je passe, il y a Alexia qui est sur Paris aujourd'hui. Et au moment où je sors, il pleut. Je suis partie avec la vaisselle et d'ailleurs. Regardez qui j'ai retrouvé. De grosses potes. Bon, Alexia du coup en fait elle est sur Paris aujourd'hui avec sa classe. Elle a un emploi de temps très chargé donc il a fallu prendre rendez-vous pour savoir. Alors là il est bientôt 16h45, je dois bientôt y aller dans 15 minutes. C'est vrai. Bon, après je vais rentrer à l'hôtel. T'es content d'être là? T'as vu la tour Eiffel? Yes, on va se péter le bide ce soir.
du coup, on a fini de déjeuner avec Lola. Là, moi, je vais me maquiller parce qu'on doit partir dans une heure. On a encore nos valises à faire, ça va être un bordel, je sens. Bon, avec Lola, on doit faire nos valises. On doit mettre tous les trucs qui nous ont donné dans nos valises, je sais pas comment faire. Surtout, moi, j'ai deux grosses fourrures. Ouais, parce qu'il pleut, donc je vais pas en mettre une. Je vais mettre une petite veste et... Ouais, ça va, j'ai pas beaucoup. Du coup, là, c'est l'heure de partir de l'hôtel. On a un peu galéré à fermer nos valises. En plus, chez nous, vous avez passé des cintres avec nos habits. Du coup, j'ai pris tous les cintres pour chez moi. Donc, ma valise, elle est un peu serrée. Gâtée. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va exploser. Du coup, là, on va partir de l'hôtel. On a donc notre beurre pour aller à la gare de Lyon. On va aller faire des photos, mais il pleut. Super. On est à la gare de Lyon. On a fait des photos, on est chargé vraiment un peu beaucoup, on a fait plein de photos donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Notre train il est dans 40 minutes, là on va aller au Starbucks après. Ouais. On a pris un Starbucks. Je suis bien rentrée chez moi donc là il est presque minuit genre... Il y a beaucoup de temps qui est passé, enfin je suis rentrée quand même à 20h parce qu'il y a eu des retards avec le train, j'ai dû en prendre un autre pour rentrer chez moi. Bref, du coup demain je vais vous montrer, je vais continuer le vlog demain, je vais vous montrer ce que j'ai, ce que Chine m'ont donné. Bon je vous montre pas ma tête, du coup là il est 12h30, je me suis réveillée à genre une demi-heure. Bon faites pas attention à ma chambre parce que je suis un peu jamais là, du coup c'est un peu le bordel. Ma mère m'a déposé des affaires propres qu'il faut que je range, que je plie tout ça, enfin que je range tout court en fait. Et voilà, j'ai tout mis là par terre ce que j'avais arrangé, donc il faut que je range tout ça. Et j'ai déjà mis des trucs sur les... coucou. J'ai déjà mis des trucs sur les cintres, mais regardez, j'ai tellement d'habits que ça rentre plus. Et là-dedans, j'ai plus de place. Oh. Du coup, j'ai rangé les affaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Entre-temps, je me suis maquillée, je me suis préparée. Et je vais vous filmer une vidéo playlist, parce que c'est une vidéo que vous me demandez tout le temps. Et finalement, je pense que les vêtements Chine, je vous les présenterai dans un haul, parce que je vais en recevoir d'autres. Au moins, je vous montrerai tout d'un coup. Salut. Donc là, en fait, on est une semaine plus tard. Je devais vous finir le vlog et finalement... j'ai pas fait la fin et vu que ce week-end je remonte à Paris, je vais vous refilmer deux petits trucs. Du coup là j'ai mon train, mon premier train, j'ai deux trains à prendre en fait. Je vais en prendre un à midi. Oula, j'ai cru que ma valise allait tomber. Du coup aujourd'hui je rejoins Chloé. Du coup je vais essayer de vous vlogger, demain on se repart Castérix. Je pense pas que je vais trop réussir à vous vlogger d'ailleurs. Ça fait deux semaines que je faisais que tousser. Dans le vlog le week-end dernier je crois que je faisais que vous dire que j'étais malade. Et en fait à force d'avoir toussé, je me suis fait une lésion des côtes. Ça fait super mal et ce week-end je suis au parc Astérix donc je sais pas comment je vais faire. Du coup je suis bien arrivée à Paris avec... Ouais, on est pas amis. C'est bon mais... Du coup je suis arrivée à Paris donc là je suis toute seule dans ma chambre. Ouais en fait elle me paye la chambre d'hôtel, c'est pour ça que je... Oh la gueule que je cherche. Bref, du coup je suis avec Chloé au Cube Hôtel donc en fait demain on va au parc Astérix. Non, je vais au parc Astérix. On va au parc Astérix parce qu'en fait elle avait droit à un plus 1. Et vu qu'elle est gentille, elle m'a envoyé un petit message. Elle m'a dit je te prends. Voilà donc là on va se préparer. Enfin on va se préparer. Non en fait on va pas se préparer parce qu'on n'a pas grand chose à mettre. Bref, on va aller chez Litane. Elle fait la belle, elle sort du maquillage. Bien, bien tenue s'il te plaît. Oui, bah, on est très bien habillées toutes les deux. On a mangé à 19h. Enzo va pas tarder, mais va falloir qu'on y aille. Ok, bah elle me gueule dessus, c'est bon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle me montre des trucs Fenty Beauty, mais je me... Coucou, du coup là on est le lendemain et on est au parc Astérix. Et il fait super froid. Chloé m'a dit il va faire bon, prends pas ta veste. Et moi je l'ai écouté. J'ai annoncé 23 degrés. Et moi je suis en petit pull. En train de la capuche, la cagoule et tout. Je hurle. Il fait trop froid. Du coup là il est presque 8h, moi je vais partir, Chloé elle est déjà partie à 7h30, elle m'a réveillée avant de partir. Du coup voilà, bon cet hôtel il était vraiment trop bien pour ceux qui veulent savoir, c'était le Cube. Du coup voilà, je vous ai pas filmé parce qu'on a rien d'intéressant, quand on est rentré du parc on était KO. Il y a Zoé et sa pote qui sont venus manger avec Chloé et moi, on a commandé sur Uber Eats et après on a regardé 2-3 vidéos avec Chloé, on s'est endormi. Du coup voilà. Non, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Je vous fais plein de gros bisous.